Les hommes sont comme des arbres, ils ont des racines aux semelles. Et Jean-Pierre Fleury a promené les siennes sa vie durant. Les déterrant au gré de ses reportages, les enfouissant au gré de ses coups de cœur. Aujourd'hui, elles sont du côté d'Aquadoria et il nous raconte comment, avec ou sans filtre. Allez, montez Jean-Pierre. Il va falloir m'aider là. Vous croyez? Vous n'allez pas y arriver tout seul? C'est quelque chose, il paraît, effectivement, d'être face aux images de sa vie. Là, on est 1950-51, Granville. Ouais. C'est vous? Et d'ailleurs, tout petit d'ailleurs, j'étais pas grand, hein, vous voyez. Hein. Mais là, on est à Granville. Là, on est à Granville, alors on peut peut-être dire où c'est. Hein, c'est pas loin de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est une ville qui est, là, vous voyez, la mer est en train de se retirer. C'est les plus grandes marées d'Europe. Quelque chose d'hyper important pour moi, puisque j'ai fait mes premiers pas là, hein, petit costaud comme ça, du lait et de l'iode. Et c'est un univers extraordinaire de découverte, puisque imaginez, tiens, par exemple, un jour, un coup de baguette magique, pas un accident, mais un coup de baguette magique, la baie d'Ajaccio, d'un seul coup, il y a une marée, et on peut aller à pied dedans. Et là, vous avez un terrain d'aventure, de cueillette. Tout petit déjà, j'étais pas grand, j'étais déjà un pygmée, un petit bonhomme qui vit dans la nature de chasse, de pêche et de cueillette. Hein, c'est votre jeunesse. Oh là, oui, et pour que vous soyez là. C'est le départ. Pays de Corsaire, pays de Terre-Neuve et tout ça, donc l'horizon. Aller voir, non pas parce que j'étais mal à cet endroit-là, mais après, je pense qu'il y a des photos de plus tard quand je suis adolescent, je regardais l'horizon par curiosité pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Pas pour fuir quelque chose. Avant de partir, justement, on va revenir vraiment aux vraies racines, et les vraies racines, elles sont là. Oui, en partie. Jean-Pierre. Hein. Ouais. C'est la petite fille qui est en bas. Ben, c'est ma maman. Joséphine. C'est Joséphine Mouradian et Kerlakian. Joséphine et Azadoui. Azadoui, c'est son prénom. Azadoui, ça veut dire liberté. Alors, je vais parler un petit peu pour vous. Là, elle est avec toute sa famille. Ouais, que j'ai jamais connue. Parce que, comme son nom l'indique, votre maman était arménienne. Voilà. Et la famille a été victime du génocide arménien. Elle, c'est une rescapée. C'est une rescapée de ce génocide arménien. Tous ceux qui retournent, pratiquement, ont été exterminés par les Turcs. Oui, en tout cas, je ne les ai jamais connus. Pour moi, l'Arménie, j'ai appris sur le tard, d'ailleurs. Moi, j'étais un petit Granvillais, un petit Normand. J'étais à 100 lieues de penser que ma mère était née sur la planète Mars. Et ça a été le début de la prise de conscience que j'étais un peu différent. Parce que votre maman, justement, elle parle très bien le français. Ah, parce qu'elle va fuir. Vous imaginez bien l'Arménie, pour aller à Alep, se réfugier en Syrie, qui a été un mandat français. Un mandat français, donc elle parle très bien le français. Ouais. Et on va aller sur cette photo-là, si vous le voulez bien. Alors, voilà, mon père, bel officier de la France libre, ma mère, cette jolie jeune femme, se rencontre. C'est le fruit de deux cataclysmes du début du XXe siècle. Le premier, donc la Première Guerre mondiale, les Arméniens survivants fuient, hein, puisqu'on se rappelle que l'Empire ottoman était du côté des Allemands. Et le deuxième, mon père officier dans la France libre, tout jeune marin, qui part parmi les premiers voir De Gaulle, il arrive, je crois, en octobre 40. Après, il est muté dans les troupes françaises du Levant. C'est De Gaulle qui l'envoie. Hein. C'est De Gaulle qui l'envoie dans le Levant. Parce qu'il était comme agent spécial. Oui. Et là, on est en Égypte. C'est un tout petit peu après, je ne sais pas. Vous savez, il y avait on va employer un mot corse, cette omerta. Ma mère, quand j'essayais de la brancher sur les massacres arméniens, la première chose qu'elle disait, avant de se taire, elle disait, n'oublie pas Jeannot, c'est moi, n'oublie pas, ce sont des Turcs qui nous ont sauvés. Donc il n'y avait aucune haine dans ce qu'elle disait, mais après, il y avait simplement, on n'en parle plus. Quoi. C'est comme ça. Ne garde pas en toi une haine du peuple turc. Et donc mon père aussi qui est parti parce qu'il n'avait pas envie d'être sous le joug. Quoi. Et me voilà. Mais vous voilà, mais surtout, ils vont revenir vivre à Granville. Voilà. Hein, ils vont venir vivre à Granville. Ouais. On comprend bien pourquoi vous êtes né sur cette plage. Et on va faire un petit bond dans le temps. Vous avez quel âge? 11 ans. 11 ans? Ouais. Peut-être un peu moins. Là, c'est pas moi. C'est qui, là? C'est le petit Gibus. C'est le garde-boutons, là. Évidemment, c'est moi. Parce qu'effectivement, extrêmement bagarreur. J'ai entendu dire que vous étiez petit. Il fallait pas venir me chercher. Hein, petit mais costaud.
Pourquoi il fallait vous battre constamment ? Petit, et puis parce que c'est un monde, je parlais tout à l'heure des corsaires, etc. Il fallait savoir montrer qu'on avait pas mal, qu'on était aussi costaud que les autres. Je voulais faire l'homme, mais j'étais un peu impatient à ce moment-là. Donc il faut prouver que si j'étais un chien, je serais un fox terrier, quoi. Increvable, plus maintenant. Et puis quand je meurs, je lâche plus, quoi. On va avoir le temps de vérifier tout ça. Oui, je me mets un petit peu loin d'ailleurs, il y a une zone de confort. Allez, venez, on va aller à la dernière photo. Là, si ça va être dur aussi. Là, hein, Je crois qu'elle va être dure cette photo. Ouais. Bah oui. Bon. Parce que vous allez quitter Granville. Parce que j'aime pas les chats, non, c'est pas pour ça. Vous allez quitter Granville, bien sûr, Jean-Pierre. Oui, ouais. Et vous allez faire des études, vous. Et là, vous êtes avec votre sœur. Ma sœur qui est... Vous allez faire des études un petit peu... Comment on peut dire ? Il y a une formule que j'aime bien que vous dites. Oui, alors. Bon, pendant ce temps-là, je faisais la pêche. Ça, c'est une des choses que je mets en premier sur la carte de visite que je n'ai pas. Je me permets d'écrire marin-pêcheur. Mais en même temps, j'étais à la fac de droit. Donc, je fais un petit mélange maintenant. Je dis pêcheur en droit et étudiant en moule. Et votre sœur aussi fait des études ? Alors ma sœur, oui, elle faisait des études. Et elle va vraiment faire des études ? Elle a fait, au grand dam de mon père, qui n'était pas forcément germanophile, allez savoir pourquoi, elle a fait une agrégation d'allemand. Elle a été une des plus jeunes agrégées à l'époque. Elle devait avoir 22 ans, enfin un truc comme ça. Elle s'en est jamais remis. Ça n'est jamais remis ? Non. Je pense qu'elle a tellement bossé pour justement passer ce concours, peut-être prouver aussi quelque chose tout le temps, parce que c'était peut-être dans notre caractère. Elle a toujours eu l'impression d'avoir gâché ces merveilleuses années qui sont la fin de l'adolescence, peut-être, en tout cas, avant de passer complètement à l'âge adulte et à ses responsabilités. Marie-Paul. Elle a disparu, Marie-Paul. Vous allez... Et moi, je suis plutôt rigolard, là. Oui. Ouais. Et donc, on a bien compris, vous ne savez pas encore trop ce que vous allez faire de votre vie. Mais il va arriver quelqu'un. Oui. Une rencontre. Exactement. Qui va être déterminante. Sur le... Du coup, voilà. On n'en parle pas, la rencontre. Parle pas. La rencontre, d'accord, déterminante, elle est dans une pièce à côté, justement. Ah ouais, ouais, venez, c'est par là que ça se passe, la rencontre. D'accord. Allez, venez. Bah, ça s'est pas trop mal passé. Oui. Jean-Pierre, prenez place. Alors, comme on disait, éteindez la lumière, commencez le cinéma. Mais le cinéma, c'est là, justement. Vous êtes toujours étudiant en moule et pêcheur en droit. Ouais, ouais. Et puis, il y a ça aussi, la fameuse rencontre dont je vous parlais. Eh bien, c'est lui. Parce que vous faites des petits boulots. Alors, c'est Eric. Eric, l'écœur vert. J'ai rencontré le metteur en scène de ce film, qui s'appelle Edouard Luntz. Parce qu'il avait rencontré Eric, il a une belle gueule, Eric, hein, quand même. Ouais. Soit dit au passage, si je suis en Corse, c'est grâce à son frère aussi, que je retrouve très souvent à la paillote chez Yves, là, en bas. Et donc, Eric était comédien, il est devenu, puisqu'il a fait une belle carrière assez fulgurante. Bon, comme certains astres, il s'est retombé très vite. Et Edouard me disait, il s'était pris d'amitié pour moi, il disait, si un jour tu cherches du boulot, viens me voir. Et c'était la création de la troisième chaîne, c'était fin 72, et là je cherchais quelque chose à faire parce que j'avais décidé de larguer mes études. il m'a dit, tu vas aller voir les gens de la troisième chaîne, le Chauvel, qui est devenu mon patron. Ben la voilà, la troisième chaîne. Oh là là, ah ouais. Elle n'était pas toujours en couleur, d'ailleurs. Hein, en 1974, vas voir les gens de la troisième chaîne. Oui, oui. Et donc, d'ailleurs, Edouard me prête une veste parce que je n'en avais pas. Alors, les manches étaient comme ça et puis j'ai risqué de la faire péter. Je connaissais rien du tout au cinéma. J'étais censé être son assistant sur les longs métrages. Et puis, des gens très gentils, Jacques Tronel, Jean-François Chauvel et autres, m'ont accepté tel que j'étais, c'est-à-dire plutôt un gentil garçon, plutôt costaud, largement increvable. Et j'ai commencé à travailler sur ce magazine d'actualité, le magazine 52. 52 minutes d'actualité dans le monde entier, par semaine. Donc c'était un boulot énorme. Au bout de 6 mois, j'avais mon propre assistant. Et au bout d'un an, j'avais le feu sous les godasses. C'est moi, je voulais partir à leur place, quoi. Voilà. Et donc ça s'est fait très, très vite après. Vous faites encore la deuxième rencontre marquante. Et on peut dire que voilà. C'est lui. Alors, ça, c'est Igor Barère qui est au milieu. Hein, qui est le réalisateur de l'époque. Alors voilà, le pape de la réalisation. Exactement, il a tout fait, tout inventé à la télé. Et donc Pierre Lazareff, Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes et Igor Barère présentent 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une qui s'est terminée, allez savoir pourquoi, après mai 68.
parce qu'ils étaient plutôt... Vous savez, il y a eu l'opération Jéricho, là, ils tournaient autour de la... Ben, ils s'arrêtent en 68 parce qu'on leur donne pas toute la liberté dont oui, ils voudraient, en fait. Oui, c'est pour ça. Ils font la grève. En gros, ils ont été virés de la télé, c'est exactement, ce que je veux dire. Oui. Sauf qu'à l'époque, vous n'êtes pas encore grand-chose, vous. Ah, quand vous même, rencontrez Hugo Barret... Je suis même très largement rien du tout, comme maintenant. Hein. J'ai jamais été grand-chose. Et ce qui se passe, c'est que le fameux Pierre Desgroupes, il va sur Antenne 2 à l'époque. Allez savoir pourquoi, oui. En 81, il y a eu un petit truc. Il y a eu une recherche un petit peu frénétique des socialistes à la télévision. Et il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Il y a eu une génération spontanée. Il y en avait deux. Il y avait Barrère, qui était d'ailleurs élu FGDS, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non. Et Desgroupes, qui avaient participé à ce qu'on appelle l'expérience libérale au moment de Chaban-Delmas. Donc Desgroupes va à France 2 et Barrère se retrouve tout seul. Tout et seul. Là, vous êtes là, vous. Oui, parce qu'on avait déjà beaucoup bossé ensemble. Igor, j'étais son assistant principal, ça veut dire que je faisais beaucoup de travail aussi à sa place, mais c'était comme ça. Et donc, on a créé une société. Une société, Editel. Voilà, Editel. Et Editel, vous allez chez le concurrent et en 1982, apparaît sur l'écran de tous les Français, grâce à Editel, apparaît ça. Ah bah oui. Ça parle à tout le monde, cette musique. Ah oui, complètement. Mais c'est ça. Alors, on a fait appel aussi à des vieux dessinateurs pour ne pas payer de droits, parce qu'on était comme ça. C'est les grottes d'Altamira, c'est des gens du Néandertal, enfin, un peu plus tôt. Igor Barret et Jean-Pierre Fleury, voilà, vous présentez ça. Sur TF1, à la base, Histoire naturelle, vous signez pour 6 numéros, simplement. Oui. 6 numéros de 26 minutes. Voilà. Hein, c'est ça l'histoire. Ma vie d'assistant, de réalisateur, j'ai le doigt comme ça, vous voyez, Napoléon me ressemblait d'ailleurs. Et j'ai toujours été intermittent du spectacle. C'était comme ça, ça m'allait très très bien. Je n'ai jamais chômé, mais j'étais intermittent du spectacle. Et donc on attendait que le téléphone sonne. On n'avait pas de portable, bien sûr. Et là, on avait décroché six émissions de 26 minutes. Et pour nous, c'était le Pérou, parce que ça nous faisait bosser pour les 6 mois à venir. Et puis après, ça continuait. C'était 6 minutes, mais ça passe le dimanche à 18h. Voilà. Et puis, on se prête vite au jeu, parce qu'il y a une façon de tourner, il y a quelque chose dans Histoire naturelle, c'est qu'on n'y a pas de commentaires. Et dès le début, ça plaît, ça. Et on n'est jamais à l'image, et il n'y a pas de commentaires. Jamais à l'image, parce que Igor et moi considérions que ce n'était pas nous les personnes intéressantes. Ce qui fait qu'on a été estomaqués quand on a appris qu'il y avait des gens qui faisaient le même boulot que nous, mais en se montrant en permanence, suivez mon regard. Et aussi, et pas de commentaires, parce que ce n'était pas à nous d'aller donner le commentaire devait venir de la voix des gens qu'on trouvait sur place. C'est extrêmement difficile à faire, beaucoup de travail, mais c'était extrêmement gratifiant. Et comme vous dites, vous allez au bout du chemin. Ouais. Là, vous êtes au bout du chemin, vous êtes en France. Et puis, vous allez aussi rapidement au bout du monde. Bon, Histoire naturelle, c'est ça. Voilà. Et là, ça devient de plus en plus un magazine au début qui est un petit peu de chasse, un magazine plutôt ethnographique, on peut dire. Exactement. C'était que ce soit en France au bout du chemin, je m'amuse toujours à dire, dis-moi comment tu chasses les grives, je te dirai de quel pays tu es. Si vous chassez avec faites la tenderie, vous êtes dans les Ardennes. Si vous mettez les capios, vous êtes corse. Si vous mettez des lecs, vous habitez dans le Var, etc. Ce sont des faits culturels, au premier sens du terme. La façon dont on chasse avec des chasses traditionnelles, c'est quelque chose du terroir. Au même titre qu'une église est faite à tel endroit en grès, à tel endroit elle est faite en pierre de granit, c'est aussi un fait culturel. De la même façon, bien sûr, là, on arrive bien sûr à une chose extrêmement importante, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est un produit de terroir aussi, mais c'est vraiment les gens dans leur pays. Vous allez faire combien de fois le tour du monde avec cette émission ? Ça ne veut rien dire, j'ai fait peut-être 80 ou 100 fois. Mais je ne l'ai pas fait à pied, à cheval, en voiture. Ça, c'est en canoë, un truc. Et petit à petit, d'être diffusé à 18h, ça va être diffusé la nuit. Histoire naturelle, ce générique, on se dit, c'est les insomniaques qu'ils connaissent. Oui, mais il y a même les femmes enceintes et les gens qui sont de service, pourquoi pas. On a peut-être des ennuyés. Bon, ce qui est remarquable, il ne faut pas trop le dire, mais si en regard cumulé, on doit arriver à 4 milliards. 4 milliards oui. Ah ouais. Je voudrais bien savoir, les 2 milliards, ceux qui n'ont pas regardé ce qu'ils ont fait. Non, mais... Parce que c'est un succès phénoménal et vous allez être récompensé. C'est notamment un succès en douceur, tranquillement. Ouais, voilà un autre truc. Alors, on voit Igor là-bas, une partie de la hiérarchie de TF1. Hommage soit rendu à Lelay et à Moujotte, qui en prenaient plein la gueule avec notre émission en disant, parce qu'on disait c'est une émission de plus. Non, non, c'est fait, c'est comme ça, c'est bien, ça continue. Ça a duré une trentaine d'années. Et ça, on a vendu, je crois, 1 200 000 cassettes en plus. Alors on en fait la,
On fait les cacous avec notre truc là. En chiffres quand même, hein, vous avez dit 4 milliards de spectateurs, de téléspectateurs cumulés, bien sûr. C'est quand même 350 numéros Histoire naturelle et c'est pratiquement 20 000 rediffusions aussi. Vous devenez riche avec Barrère grâce à ça. Bon, je pense moi. L'Histoire naturelle, ça s'arrête à un moment et tout à coup, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, vous changez de casquette. Alors, j'ai deux casquettes. D'ailleurs, on voit celle-là, elle n'est pas encore tout à fait à ma taille. Michel Toulouse, j'avais beaucoup travaillé avant avec Michel Toulouse et des gens qui ont créé Canal. Donc, Michel Toulouse, Lescure et autres. Et Michel Toulouse a créé, était chargé dans le groupe Canal, de créer ce qu'on appelait les bouquets. Et un jour, Michel m'appelle en me disant « Est-ce que tu veux être patron de Seasons ?» Je dis « Je ne sais même pas ce que c'est, moi, ton truc. » Et puis, il m'a convaincu, il était très convaincant. C'était une bande de cinglés. Il faut savoir qu'il partait de rien. Vous créez la chaîne, vraiment, sur le bouquet. Et puis, je présente. Vous créez la chaîne, exactement. Et puis, voilà, vous anticipez. Regardez ce que vous faites aussi. Vous le savez, mais… Je n'ai jamais revu. Eh bien, regardons ensemble, alors. Bonjour, c'est le jour, le 21 mars, pour tous ceux qui ont perdu le Nord, ou en tout cas qui veulent s'orienter à coup sûr en faisant appel aux vertus cardinales de l'observation, en ce premier jour de printemps, donc c'est le jour de s'orienter puisque le soleil se couche pile poil à l'ouest. Ça va durer 10 ans, ça va durer 6 zones, si vous êtes à l'écran. Oui. Et puis un jour, eh bien, on va vous mettre dehors un peu, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui va se passer là, de votre propre chaîne. Oui, mais c'est la preuve. Monsieur, que personne n'est remplaçable. Mais ce n'est pas un conseil. Moi, je n'ai pas été malheureux. J'ai eu la chance de travailler sur des choses qui ont à chaque fois duré. Mais dans le métier que je faisais, d'intermittent du spectacle, ça n'existait pas. C'était des anomalies. Donc, place aux autres. D'accord. Donc, vous êtes parti sans aucune aigreur. J'ai aucune aigreur. J'ai même fait un petit mot en disant qu'effectivement, il y avait des gens qui seraient certainement contents de partir. Et puis, de me voir partir, bah, tant mieux pour eux. Eh bien, on va voir qu'il y a une vie après la télé. Oui, parce que j'ai regardé. J'ai une alliance. Ah ben oui. J'ai toujours, mais c'est… On en parle dans la pièce d'à côté. Voilà. Allez, venez avec moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, dernière pièce. Et pour matérialiser la vie en dehors de la télé, eh ben on vous a mis trois télés. Oui, d'accord. Alors, on va découvrir ce qu'il y a derrière chaque écran. Avec d'accord. Plaisir. Le premier, c'est celui-ci. Oui. Ah, là, c'est rien du tout. C'est juste le Rwanda. Un mois de vacances au Rwanda en 94. C'est une image. C'est la seule photo que j'ai. On n'était pas là-bas pour se faire photographier. Oui, mais c'est quelque chose qui va marquer votre vie, vraiment. Est-ce que vous êtes parrain? Oui. Je suis parrain d'un petit garçon qui s'appelle Jean-Pierre. Je voulais raconter, allez-y, si vous voulez. Ben, Jean-Pierre, en fait, c'est un petit garçon que vous avez rencontré là-bas. Je ne vais pas pouvoir prendre le relais longtemps, moi. Bon, je le prends. Jean-Pierre. On était à Kigali, un dimanche. Les gens de Médecins du Monde ne travaillent pas le dimanche, parce qu'il faut, à un moment donné, se reposer, si je veux dire. Et nous, on bossait le dimanche avec Marie-Thérèse, une espèce de bonne sœur laïque, une femme extraordinaire. Et on devait partir plus loin, voir des gens qui n'avaient pas du tout été visités par les médecins. Donc j'ai dit, il faut qu'on aille chercher des médicaments. On va dans le dispensaire, qui était au milieu de tout ce qui avait été brûlé, les cadavres et tout ça. Et on voit arriver deux femmes qui nous hèlent comme ça, avec un gamin dans les bras. Marie-Thérèse lui dit, je me souviens, c'est décalé, hein, parce qu'il faut rire de ça, autrement on meurt. Ils ne vont pas nous faire chier un dimanche. Alors que cette femme a donné sa vie à l'humanité. Et si, et parce qu'il y avait une urgence extrême, cet enfant était en train de mourir. Il est mort dans mes bras. Et donc, Marie-Thérèse, qui était plus que croyante, a demandé est-ce que le petit est baptisé. Non, donc on a pris le dos. Je te baptise Jean-Pierre. Et comme vous disiez, on va passer, en plus, je ne vais pas vous calmer, parce qu'on va passer d'un génocide à l'autre, Jean-Pierre. Oui, il y en a beaucoup. Et on va se taire, justement, on va regarder les images. D'accord.
J'espère que je me trompe. Mais c'est pas sûr qu'on ait une autre fois dans notre vie, dans ma vie, l'occasion d'être ensemble comme ça. Il y en aura. Il y en aura. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. C'est il y a 3 ans, à Erevan, le 100e anniversaire du début des massacres arméniens. Et... Vous êtes avec vos enfants. Et c'est un grand moment, ça. C'est énorme. Je crois que ça se passe de mots, finalement. J'arrête pas de chialer. Non, allez, on va passer à Je suis pas comme ça. Mais je... Mais c'est, je veux dire, ça, c'est des émotions positives. C'est de, le, en même temps, moi, il ne faut pas venir nous faire chier, là, vous voyez bien. C'était ma, hein, pas comme oui, parce qu'il y a même un peu une colère. Enfin, quel est le sentiment, là ? C'est vis-à-vis de moi, vis-à-vis des humains dont je fais partie, c'est la honte. Parce que les gens qui ont commis les massacres, c'est des gens comme nous. Et je me suis, la honte que j'ai, c'est de me poser la question, comment j'aurais été dans ces cas-là ? De quel côté du manche j'aurais été ? Il y a ça. Et puis, il y a des émotions positives parce que les Arméniens, c'est quand même aussi des gens qui sont très bons vivants. C'est eux qui ont inventé le vin, hein, je tiens à préciser. Et le fait d'être de commémorer ça avec mes fils, je veux dire, c'est fantastique. Je ne veux pas dire que ça efface. Pardonner, ce n'est pas à moi de le faire. C'était aux gens qui ont subi ça. Oubliez jamais, ça, c'est certain. Donc, il y a au moins des générations qui vont continuer à se souvenir de ça pour ne pas que ça recommence. Et il y a eu après... D'autres endroits, on le sait, les Juifs, les Khmers et les Rwandais. Et voilà. Cet écran-là. Oui. Bon, ça va être un petit peu plus... Je ne sais pas. Ah bon, vous ne savez pas. Oui, vous ne préparez oui. pas. Ah. Alors, tiens, la mer est basse. Et lui, c'est Georges. Ah, ben, ça, c'est la cigale de la famille, ça. Une drôle de cigale, au départ, commando marine. Légion d'honneur à 19 ans en Algérie. Donc, un mec qui s'est... qui était un petit peu les forces spéciales. Et puis après, qui a troqué ses armes pour la guitare. Et lui, sa passion, c'est d'aller pêcher. C'est les livres aussi. Votre c'est frère, Georges, il a écrit près de 80 livres. Oui. Alors, très bon écrivain. Oui, alors, oui, mais c'est pas tellement là-dessus que j'ai envie d'épiloguer. Enfin, en plus, très bon écrivain, vraiment, pour le coup. Mais j'ai l'impression que ça vous a donné quelques idées, vous. Parce que, est-ce que c'est dans sa continuité ? Voilà ! Ah oui, dis donc. Des livres. Vous écrivez énormément depuis qu'il n'y a plus la télé. Vous le racontez aujourd'hui. Ah, c'est qui ? Avec l'ami Jean-Pierre Aquaviva. Ah ben, un comparse, un complice. Je pense que si on doit nous arrêter, il faudra nous mettre dans la même cellule. Sur RCFM, c'est quoi ? C'est une heure par semaine, c'est le dimanche ? C'est tous les dimanches et le mercredi, je crois. Ouais. Vous racontez ça ? Oui, tout à fait. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Jean-Pierre, il y a 5 ou 6 ans, je ne le connaissais pas du tout. J'en rêvais même pas. Hein. Et là, on a l'impression qu'on s'est toujours connus. Quoi. C'est peut-être un regret. Alors, ça va le faire rigoler, mais c'est pour l'avoir connu plus tôt. Hein. On peut dire ça. Votre émission. Vous dites exactement ce que vous voulez. On peut être méchant. Regardez. On lui passe le bonjour. Ah non, super sympa. Super sympa. Dernier écran, c'est là que ça se passe. Voilà. Cette photo-là. On se croirait en Corse, là, un peu. Hein. Exactement. Vous avez fini par arriver en Corse. Oui. Vous qui n'avez pas de racines. C'est peut-être une destinée. J'ai des racines. Tiens, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Mais je suis facilement déracinable. Oui. Et je me laisse empoter facilement. Rempoter facilement. Pour moi, c'est très important de bosser à un endroit où on est. Se montrer à la terre. Avoir des ampoules. J'en ai plus parce que j'ai de la corne. Mais suer là-dessus. Se présenter à cette terre, pour moi, c'est primordial. Donc là, je me présente à la terre corse. Et pour montrer que vous êtes heureux, il y a une photo qui matérialise ça. Ah ben là, c'est ma muse, c'est Lily. Il y a Clio, Terp, etc. Et ça, c'est ma muse. Tout va bien. Bah, sans Lily, je ne serais pas la là. La vie est belle en Corse, où serais-je ? La vie est belle en Corse. Il y a pire, mais c'est... Vous y êtes pour combien de temps ? Ça, il faut demander si vous avez des relations là-haut. Moi, je ne quitte jamais la Corse. J'habite ici. J'aimerais qu'on parle de ça, plutôt. Ça serait la dernière photo. C'est ça qui est très important. Ah oui, là justement, non, on se croirait en Corse, tellement c'est beau. Hein. C'est la vue de chez vous, ça. C'est ce que je vois de chez moi. Donc avec les couchers de soleil, avec cette émotion, ces lumières. Pourquoi c'est important le coucher de soleil pour vous, Jean-Pierre ? Ça sera le mot de la fin. Hein. Bien parce qu'il va se lever le lendemain. Hein. Vous savez, il y a une phrase de Voltaire, alors je ne vais pas faire le cuistre, mais je vais le faire. En voyant une telle horloge, je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas d'horloger.
on devient très très vite mystique, il faut se méfier. C'était le mot de la fin. Ça sera mon mot mystique. De la fin, oui. Non, il y a un geste de la fin, vous le savez dans cette émission. Oui. C'est de faire le selfie. Alors, voilà, mon téléphone je me est là. À votre droite, à oui, venez à côté de moi. C'est là, venez à côté de moi, là. Oui. Là, juste une petite précision. Je parle beaucoup parce que je suis pudique et timide. Donc, j'envoie de la fumée pour ne pas justement montrer ma vraie personnalité. Quand on fait un selfie, on sourit simplement. Ça. Allez, souriez avec moi. Donc, voilà. Merci infiniment, merci. Jean-Pierre Fleury. Et bonne continuation à vous. J'ai que ça à dire. Et bonne chance dans l'audiovisuel. Au revoir. We'll be right back.